Sur cette coupe transversale du bassin, l'avant étant dans cette direction, eh bien, on retrouve notre articulation coxo-fémorale, l'articulation du pubis et les articulations sacro-iliaques avec leurs deux parties antérieures, postérieures, comme ceci. Ce schéma a principalement pour objectif de vous montrer l'orientation de l'acétabulum qui regarde vers l'avant et vers le dehors, et elle regarde aussi légèrement vers le bas. Sur cette vue antérieure de la ciliaque, à droite étant dirigée de ce côté-là, eh bien, on retrouve notre surface articulaire et la flèche montre à nouveau l'orientation de l'acétabulum vers le bas, vers l'avant et le dehors.